Remets le son. Coupe le son. Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. Bravo à tous, on va passer à l'interview express. Oui. Attends, allô quoi? Mais ça suffit là. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel là? C'est Pascal de Koh-Lanta. Oh, Pascal ou d'amour? Ouais, Pascal. Je suis invisible, alors je vais passer ma vie à être deuxième. Non, c'est toi le patron. Ça va, mon Pascal? Je peux pas passer ma vie à vivre sur un poteau, j'ai une vue. Pascal, c'est un bonheur de t'entendre, merci pour cette surprise, comment ça va? Comment ça va? Bah, impeccable. J'avais hâte d'être avec vous et je suis mis de côté. Oh là là. C'est toi le patron, Pascal, c'est toi le patron. Ils sont tous bidons, va. Alors là, tu vas avoir le bidon. Attends, il va nous le faire, il va nous le faire. Allez, comment Nathalie, Pascal? Allez, bidon. Bon, Pascal d'amour, merci infiniment. Alors, tu le sais. Je peux vous en dire d'autres qui sont bidons, genre Dylan, Yacine. Okay. Ah ouais, c'est bien parce que Pascal, je l'ai eu au téléphone hier, il m'a dit pas de polémique. Non, pas de polémique, pas de polémique. Non, moi, le problème que j'ai, c'est qu'il faut que je trouve un nouveau jeu parce que je m'ennuie, c'est trop facile. Ah oui. C'est trop facile. Et bien, alors, justement, voilà, mon Pascal. Quand t'es éliminé, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas un Ninja Warrior? Est-ce qu'il n'y a pas un Fort Boyard qui arrive bientôt, mon Pascal? Fort Boyard, j'y suis là. Ah ouais, on entend pas Courage derrière. Oui, on entend. C'est énorme, mon Pascal. Je rappelle quand même que c'est le deuxième Pascal à remporter les poteaux. Alors, il y a la première, c'était une nana. Bon, voilà. C'est le patron. C'est le patron. Ravière, tu vas pas me suivre, hein. Ravière. Pascal, juste, Ravière est avec nous. Salut, mon Pascalou, comment ça va? je voulais te dire une chose, mon Pascalou, c'est que rire, c'est rire, mais prendre mon cul pour une tirelire, c'est pas rire. Alors, tu nous ramènes les clés de Fort Boyard et on fait un autre Koh-Lanta entre nous, mon pote. Mon ami. Comme j'étais obligé de te mettre là. Tous les deux, on est inséparables. Bah oui, on est les meilleurs, mon Pascalou. On va finir en prison parce qu'on est des tueurs en série. Tous les deux, il y a que des cordes. Il y a des cordes étalées de partout. Et ben là, je peux te dire, quand on sera en prison, il y aura des poteaux sur lesquels on va pouvoir tenir. Hein. Allez, mon Pascalou, je t'embrasse. Pascal, sache, mon ami, qu'on t'a suivi pendant ces longues semaines, ces longues mois ici avec l'équipe. Et on est fan de Ninette aussi. On adore Ninette. Alors, justement, comment va Nini, mon Pascal? Comment va Nini? Les enfants. Nini, elle va bien. Nini, elle est contente. Elle est contente surtout que ça soit terminé. Donc, C'est bon. J'imagine. Excuse-moi, Pascal, tu refais un Koh-Lanta, faut que je me retape les flèches et tout, c'est bon. Je peux plus le faire parce qu'ils ont dit, toi, t'es hors jeu. Ouais. C'est trop facile. Donc, le mec, il reste 8 jours sur les poteaux. Va travailler, mais arrête. Écoute, mon Pascal, c'est un immense bonheur de t'avoir et d'avoir eu le privilège de t'avoir. Pise à mon ami Javier, pise à vous. Yes. Juste, Néo veut te dire un mot. Sache que tous ceux qui t'ont regardé sont devenus tes poteaux. Oh! Bon, lui, c'est le poète de la bande, t'as compris. Pascal, défense tout, le père Fouras, tu nous défenses tout. Du bruit pour Pascal, c'est la famille. Merci, mon Pascal, on t'embrasse fort. T'aimes, Pascal. Ciao, mon Pascal. C'est ton patron. Et maintenant, la famille, on passe à l'interview express et on fait du bruit encore pour Pascal. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.